à la une de l'actualité de ce vendredi. Annoncée il y a 2 semaines par les États-Unis, la trêve humanitaire dans l'est de la RDC, prolongée de 15 jours, une trêve malheureusement pas respectée sur le terrain du côté rwandais. La société civile congolaise dénonce cette attitude du Rwanda et appelle à une sanction contre Kigali. Le détail dans un instant. Également au sommaire, la monnaie nationale, le franc congolais, a été moins touché ces derniers jours sur le marché d'échange. Les variations sont de moins faibles. Constat fait lors de la dernière réunion du comité des conjonctures économiques présidée par la première ministre Judith Suminwa. La réunion a aussi mis en place une série de mesures pour stabiliser le franc congolais. On y revient dans ce journal. Et enfin, la RDC prépare déjà la 7e semaine annuelle de l'industrialisation de la SADC qui se tiendra à Harare au Zimbabwe au mois d'août prochain. Le ministre de l'Industrie, Louis Watum Kabamba, qui va conduire la délégation, a réuni hier autour de lui plusieurs experts pour mettre en place des stratégies afin de séduire les potentiels investisseurs lors de ces travaux. Voilà tout pour le titre. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue à vous sur une région de la Radio-Télévision Nationale Congolaise. Ouvrons ce journal par cette page noire. L'RDC a pleuré hier un de ses anciens ministres de sport sous l'ère Mobutu. Décédé à l'âge de 78 ans, c'est au cimetière Chemin des Paradis qu'a été inhumé Charles Bofassa Djema. Le président de la RDC, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a rendu un dernier hommage à celui qui a aussi battu sa campagne électorale en 2018 dans l'espace Grand Équateur. Regardez. C'est dans l'enceinte du musée national de la RDC que les obsèques de Charles Bofassa Djema étaient organisées ce jeudi 18 juillet 2024. Homme politique ayant occupé de hautes fonctions dans l'administration, c'est à l'âge de 78 ans qu'il vient de quitter la terre des hommes après les loyaux services rendus à la nation congolaise. Membre du gouvernement, différentes autorités politico-administratives, députés et sénateurs, membres de familles, amis et connaissances, ont pris part à cette cérémonie funéraire. Toujours proche du peuple, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est venu aussi rendre un dernier hommage et honorer la mémoire de l'illustre disparu. En 2018, Bofassa Djema avait battu campagne électorale dans le Grand Équateur en faveur de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo au sein de la plateforme dénommée Cap pour les changements, cache en sigle. Le patriarche Bofassa a servi le pays depuis l'époque du Zaïre. Il est nommé notamment ministre des Sports, de la Culture et des Arts et ministre de l'Énergie et Hydrocarbures, président du parti politique Génération Républicaine. Charles Bofassa Djema était jusqu'à sa mort membre du conseil d'administration du cadastre minier. Il laisse derrière lui une veuve, 12 enfants et 32 petits-enfants. Son corps a été acheminé au cimetière Chemin du Paradis où il reposera pour l'éternité. Je le dis à l'ouverture de ce journal, annoncé il y a 2 semaines par les États-Unis, la trêve humanitaire dans l'est de la RDC, prolongée de 15 jours, une trêve malheureusement pas respectée sur le terrain du côté du Rwanda. La société civile congolaise dénonce cette attitude du Rwanda et appelle à une sanction sévère contre Kigali. Ricardo Bambeka pour les explications. Les États-Unis d'Amérique ont sollicité et obtenu une trêve humanitaire de 15 jours dans la situation dans l'est de la RDC. Cette trêve est une nouvelle opportunité pour la paix, précise Washington dans ses communiqués. La première trêve décrétée en début du mois de juillet prendra fin demain vendredi 19 juillet à minuit. Alors que sur terrain, cette trêve n'a été respectée que par la partie congolaise. Pour nous, c'est dire que la trêve, telle qu'elle s'est définie, elle est conçue comme une cessation temporaire de la guerre. Et son synonyme s'appelle cessez-le-feu. À notre niveau, c'est dire que les FARDC sont dans un cessez-le-feu depuis. Les pourparlers allaient assez. Alors, si on nous dit aujourd'hui qu'il y a maintenant trêve humanitaire pour nous les Congolais, on se pose la question, à quoi sert cette trêve-là? Nous, on ne trouve pas l'importance. Aujourd'hui, la demande criante du peuple congolais reste celle de demander au gouvernement rwandais de retirer ses militaires sur le sol congolais.
C'est ça la vraie trêve que le peuple congolais est en train de demander. Le Rwanda a, comme dans ses habitudes, sapé les efforts de paix via ses supplétifs des M23 initiés par Washington. La deuxième est là. Ses voisins belliqués, qui est le Rwanda, va-t-il respecter cette fois cette trêve voulue par les États-Unis d'Amérique? D'où la réaction de la société civile de la province du Nord Kivu meurtrie depuis plus de 3 décennies déjà. Si le Rwanda s'entêtait, les États-Unis pouvaient prendre l'initiative des sanctions économiques ou même politiques contre le Rwanda. C'est ça le vrai remède à la crise qui secoue aujourd'hui l'Est de la République démocratique du Congo. Nous distraire avec des questions de trêve, c'est dire aux Congolais, rester encore pendant 2 semaines dans cette vie de déplacés internes. C'est dire ces 2 semaines, rester en train de mourir toujours avec la faim d'avocats de déplacés. Donc, pour nous, c'est dire c'est une solution hypocrite et cosmétique devant le vrai problème qui dure plus de 30 ans aujourd'hui. Le règlement intérieur du Sénat, déjà sur la table de la Cour constitutionnelle, le président de la Chambre haute l'a déposé depuis le mardi dernier. Une fois notifié, le bureau d'âge ne disposera que de 7 jours pour organiser les élections du bureau définitif. De précisions ont été apportées par le rapporteur de ces bureaux d'âge, Yvan Kazadi, au cours d'une conférence de presse. Regardez. Les choses se précisent de plus en plus à la Chambre haute du Parlement de la RDC. Après son adoption par la plénière, le règlement intérieur est déjà sur la table de la Cour constitutionnelle. Il a été déposé par le président du bureau provisoire le mardi 16 juillet dernier. L'annonce a été faite à la presse par les rapporteurs du bureau provisoire, Yvan Kazadi. Le 10 juillet, le règlement intérieur a été adopté. Il fallait un temps pour toilettage, ce qui a pris quelques jours la semaine passée. Et c'est hier 16 juillet que le président du bureau provisoire a transmis le règlement intérieur à la Cour constitutionnelle. À en croire le rapporteur du bureau provisoire, une fois notifié par la Cour constitutionnelle, le Sénat ne disposera que de 7 jours pour l'organisation des élections du bureau définitif. Que la conformité à la constitution du règlement intérieur. Et à partir de ce moment-là, nous aurons 7 jours pour organiser les élections du bureau définitif. Yvan Kazadi revient également sur les différentes étapes à franchir avant l'organisation de cette élection. 3 décisions sont entendues. Il s'agit de la décision qui met en place une commission chargée de l'organisation de l'élection du bureau définitif. La deuxième décision fixera le calendrier de l'élection du bureau définitif. Et enfin, la troisième mettra en place une commission chargée de valider les candidatures à l'élection du bureau définitif. La monnaie nationale, le franc congolais, a été moins touchée ces derniers jours sur le marché d'échange. Les variations sont de moins en moins faibles, constat fait lors de la dernière réunion du comité des conjonctures économiques présidé par la première ministre Judith Suminwa. La réunion a aussi mis en place une série de mesures pour stabiliser le franc congolais. De précision avec Jemima Madiane Mogo. Hausse du taux de change. Dans les rues, les tableaux affichent des pics. Le gouvernement s'attaque à ce problème. Déterminé à stabiliser la monnaie nationale et pallier l'inflation afin de renforcer et protéger le pouvoir d'achat des citoyens, autour de la première ministre Judith Suminwa Tuluka, les membres du comité de conjoncture ont arrêté un certain nombre de mesures, au nombre desquelles figurent la rationalisation et la régulation des dépenses publiques. Dans cet élan d'assainissement budgétaire, le comité de conjoncture économique a recommandé d'intensifier les efforts en cours à travers une discipline budgétaire plus accrue pour le Trésor et davantage d'interventions ciblées sur le marché de change pour la Banque centrale du Congo. Nous observons que les variations du taux d'échange sont de plus en plus faibles, mais nous ne sommes pas encore totalement satisfaits de cette situation. Et donc les efforts vont se poursuivre, d'un côté au niveau de la Banque centrale,
sur le plan monétaire, de l'autre côté également au niveau du gouvernement, au niveau du Trésor, en ce qui concerne l'exécution des dépenses publiques. Le financement du programme pour le développement local de 145 territoires, ce projet d'investissement est prioritaire et fait tourner l'économie locale, a indiqué le vice-premier ministre de l'économie, Daniel Moukoko Samba. Pour financer ce programme, le gouvernement a besoin de plus de recettes. C'est la raison pour laquelle, au cours de la réunion de ce jour, nous nous sommes appesantis sur la problématique de la fraude sur nos produits miniers. Cette pratique consiste à minorer la valeur des produits miniers qui sortent de notre territoire national. De la même manière, la question de la fraude sur les produits pétroliers. Les membres du comité ont donc envisagé des mesures pour juguler ces mauvaises pratiques de manière à accroître les recettes publiques dont le gouvernement a besoin pour exécuter les projets d'investissement. Le gouvernement souminois multiplie les efforts pour à la fois limiter l'augmentation des dépenses en priorisant les plus essentiels et épongé un peu plus sur les liquidités excédentaires du côté de la Banque centrale. La SEMCO était hier aux installations du bureau de la ministre d'État en charge de l'éducation nationale, Raissa Malou, conduite par son secrétaire général, l'abbé Donatien Cholet. Cette délégation de la SEMCO est allée plaider pour la numérisation de la paie des enseignants des écoles conventionnées catholiques, comme nous dit Anastasie Doumbou dans ce reportage. Les défis de la qualité du système éducatif congolais a constitué l'essentiel des échanges entre Monseigneur Donatien Cholet et la ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et de la Nouvelle Citoyenneté, Raissa Malou. Les deux personnalités ont convenu de la nécessité de travailler ensemble pour le bien-être des enfants. Accompagnés des responsables des écoles conventionnées catholiques, Monseigneur Donatien Cholet a exprimé sa satisfaction face à la vision éclairée de la politique des réformes que la ministre d'État prévoit de mener dans ces domaines essentiels de la vie nationale pour améliorer la qualité de l'enseignement. Lors de la dernière assemblée épiscopale des évêques de la SEMCO, il a été demandé à Monseigneur le président de la commission épiscopale pour l'éducation, accompagné du secrétariat général, de venir présenter des civilités à Madame la ministre d'État chargée justement de l'enseignement. En réaction à ces différents défis, elle a dit qu'il y a déjà un travail qui a commencé à être fait avant elle, c'est ça l'humilité, et qui continue à être fait et qu'elle est ouverte à continuer à travailler avec l'Église comme partenaire privilégié. Il a aussi recommandé de faire un effort pour augmenter le taux de participation des femmes dans le système éducatif, notamment en recrutant un peu plus de femmes qu'avant. Cette réunion a également une occasion propice d'aborder la numérisation de la paie des enseignants des écoles conventionnées catholiques. Les ministres d'État en charge du développement rural, lui, séjourne à Kenge, dans la province du Kwango. Dans sa mission officielle, Moïndou Nzangi est allé inspecter les œuvres construites dans le cadre du projet ProADER dans cette partie du pays et du Tchalakatala pour les explications. Kenge, dans la province du Kwango, a accueilli le ministre d'État, ministre du Développement Rural, Moïndou Nzangi Butondo. En homme de terrain, il a rencontré une foule immense qui l'attendait. Vite, il s'est rendu comme de tradition au gouvernorat pour présenter les civilités au chef de l'exécutif provincial, Willy Bitusila. Après ce tête-à-tête avec l'autorité provinciale, le ministre d'État, ministre du Développement Rural, s'est lancé dans ce pourquoi il a effectué ce déplacement, à savoir l'inspection des œuvres construites dans cette partie du pays dans le cadre du projet d'appui au développement intégré de l'économie rurale. Il a également échangé avec les agents de l'administration de son ministère. Je profite aussi pour faire une visite d'exploration et d'inspection, puisqu'effectivement avec la vision du chef de l'État, nous avons l'ambition de pouvoir exécuter des projets pour améliorer les conditions de vie des populations en milieu rural. Je voudrais que vous soyez rassurés qu'après cette prospection, nous allons devoir déployer des nouveaux projets et
accompagner les anciens projets qui sont en écriture du droit. Après Kwango, le ministre d'État, ministre du Développement Rural, Muindo Nzangi-Butondo, et sa suite se rendront dans la province voisine d'Ikwilu pour le même exercice. Un nouveau laboratoire de contrôle qualité de l'huile des palmes et huile palmiste inauguré hier à la Société de Plantation et Huilerie du Congo. Ce laboratoire permettra de s'assurer si les produits respectent le nombre rigoureux du marché, comme nous dit Yvette Makoutima dans ce reportage. Qualité, conformité, prix, un triptyque pour un produit haut de gamme. C'est pour assurer de la qualité et la conformité de ces produits, notamment l'huile des palmes et l'huile palmiste, que la société Plantation et Huile du Congo PHC vient de se doter d'un nouveau laboratoire de contrôle qualité à Kinshasa, muni d'un titrateur automatique, une réalisation fruit de l'esprit managérial de sa directrice générale Monique Guisquins. Il arrive que le produit puisse quitter à des milliers de kilomètres, à plus de 1000 kilomètres par exemple, pour arriver jusqu'au client. Et pendant ces temps, lorsque le produit arrive, nous devons encore nous rassurer que le produit n'a pas été altéré. Donc ce laboratoire vient encore en appui pour faire un deuxième contrôle pour certifier que l'huile jusqu'à l'arrivée a été dans les bonnes normes. Avec ce nouveau laboratoire, les PHC disposent désormais des outils nécessaires pour effectuer des analyses précises et rapides. Je suis très satisfait. Quand j'ai vu le principe du laboratoire, c'est qu'on a gardé tout l'instrument qui est très important pour garder les hautes qualités de l'huile. Créé en 1911, PHC est un acteur clé de l'industrie d'huile des palmes en RDC, jouant ainsi un rôle essentiel dans l'économie nationale. Elle a connu une croissance remarquable, augmentant sa production de 20% par an au cours de 3 dernières années, sous le leadership d'une équipe congolaise dirigée par Monique Guisquins, avec le concours de Kouramo Capital Management, son actionnaire majoritaire. Conflit RDC-Rwanda, les ambassadeurs de pays membres de la francophonie informés de la situation sur le terrain. La ministre déléguée en charge de la francophonie, Bestine Kazadi, a au cours d'un échange avec les diplomates de cette organisation démontré comment le Rwanda continue de faire saut d'oreille à tous les appels au respect des accords signés et au cessez-le-feu. Souzingoy pour le détail. Au centre de leurs échanges, l'impératif de solidarité et de mobilisation francophone face à l'agression rwandaise, pays membre de l'Organisation internationale de la francophonie, en violation de tous les accords et traités internationaux, ainsi que des valeurs et principes qui régissent cette organisation transcontinentale. Au cours de cette rencontre diplomatique, la ministre déléguée en charge de la coopération internationale et de la francophonie a également présenté la nouvelle approche de coopération internationale impulsée par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, axée sur la diplomatie économique, la réduction de notre dépendance aux aides et la reconstruction de la confiance avec l'ensemble des partenaires de la RDC à travers des schémas de coopération pérennes, mutuellement avantageux et stratégiquement alignés aux besoins de la population congolaise et conformes aux quatre priorités du gouvernement conduit par la Première ministre Judith Suminwa. À la clôture de cette rencontre, la ministre Bestine Kazadi a rappelé les atouts de la RDC, notamment sa population constituée à plus de 68% des jeunes, un potentiel capital humain à développer comme levier d'intégration francophone et de développement économique, sans oublier les ressources environnementales avec 62% du bassin du Congo ou ses ressources géologiques nécessaires à la transition énergétique. Rappelons que la République démocratique du Congo est le premier pays francophone en termes de population et le deuxième en termes de locuteurs juste après la République française. Une position stratégique faisant de la RDC un acteur indispensable dans la construction d'une francophonie en phase avec les attentes et les défis des pays et gouvernements membres de l'OIF. L'RDC peut compter sur la Chine pour ses besoins humanitaires. L'ambassadeur de Chine en RDC l'a dit à la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire, Nathalie Aziza Mounana, au cours d'une audience lui accordée, comme nous dit Edith Chalakatala.
C'est un partenaire important qui veut apporter un soutien substantiel au secteur de l'humanitaire et du social. La Chine, son ambassadeur à Kinshasa, Zhao Bin, a rencontré la ministre des Affaires sociales, l'Action humanitaire et Solidarité nationale à laquelle il s'attendait. Un cœur dévoué, prompt aux solutions pratiques, Aziza Mounana parle le même langage que ses partenaires. Elle peut désormais compter sur la Chine pour les interventions humanitaires. La Chine va continuer à apporter des aides humanitaires au Congo, notamment à la région de l'Est, souffre actuellement du conflit armé. Et sur le plan social, l'accent sera mis sur la formation des formateurs, aussi bien en Chine, avec l'organisation des séminaires en Chine, dans les autres pays africains, au niveau régional, mais aussi au niveau local, dans les villes congolaises comme Kinshasa, Lubumbashi, etc. Son carnet d'adresses est un atout et son expérience un bras en plus. La ministre des Affaires sociales, l'Action humanitaire et Solidarité nationale est engagée à apporter une véritable touche sociale à sa gestion. Je reviens sur ce que je dis au sommaire. La RDC prépare déjà la 7e semaine annuelle de l'industrialisation de la SADC qui se tiendra au mois d'août prochain à Harare au Zimbabwe. Le ministre de l'Industrie, Louis Watum Kabamba, qui va conduire la délégation, a réuni hier autour de lui plusieurs experts pour mettre en place des stratégies afin de séduire les potentiels investisseurs lors de ces travaux. Regardez. C'est parti pour le travaux préparatif de la participation de la RDC à la 7e semaine annuelle de l'industrialisation de la SADC, prévue à Harare au Zimbabwe du 30 juillet au 3 août prochain. Le but de ces travaux est de définir et de poser les jalons des grandes lignes de l'agenda des trois différentes sessions prochaines. La première session sera consacrée à la semaine de l'industrialisation sous le pilotage du ministère de l'intégration régionale, la seconde au conseil de ministres et la SADC, et la troisième au sommet de chefs d'État de la SADC. Dans ce mot d'ouverture, Louis Watum Kabamba, ministre de l'Industrie et Développement de PME, a appelé les panélistes au patriotisme et au professionnalisme. Donc, c'est vraiment de travailler avec dévouement, avec patriotisme. C'est un mot que je ne cesserai jamais de prononcer. Quand je le prononce, c'est du fond du cœur que je le dis, sans patriote, aimant notre pays. Mais faisons-le aussi pour nos enfants, pour nos petits-enfants, parce que nous devons leur léguer un Congo meilleur, plus beau qu'avant. C'est dans cet élan-là que je prie, mesdames, messieurs, les participants, que nous mettions tous nos intelligences, nos volontés pour ces journées préparatoires. Durant 4 jours, les experts du cabinet, du secrétariat général à l'industrie, ainsi que ceux des autres ministères et structures spécialisées, vont se pencher sur les questions liées aux objectifs et réalisations accomplies au niveau international. Pour cette édition, le thème retenu est promouvoir l'innovation pour débloquer des opportunités de croissance économique durable et de développement vers une SADC industrialisée. Comment éradiquer le chômage en milieu de jeunes par l'entrepreneuriat, sujet au cœur d'une conférence débat organisée par l'ISIPA. Parmi les orateurs du jour, la directrice générale de la RDC, Sylvie Elengue-Niembo, qui a partagé son expérience avec quelques jeunes étudiants. C'est un reportage de Sian Demaka. C'est un véritable rendez-vous du donner du recevoir. Au cours de cette conférence débat sur l'entrepreneuriat, ces jeunes étudiants de l'ISIPA qui aspirent à l'excellence étaient en face de personnalités qui ont excellé dans leur domaine, venues partager leurs expériences. Parmi ces personnalités, la directrice générale de la Radio-Télévision nationale congolaise, Sylvie Elengue-Niembo, lors de son intervention, a démontré l'apport de la jeunesse dans le développement d'une nation. Moment propice également pour elle de lancer un appel à cette jeunesse à soutenir les efforts du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour rétablir la paix dans l'est de la RDC. Le secrétaire général académique de l'ISIPA, Toussaint Kayamba, revient sur l'importance de cette conférence qui vise à outiller la jeunesse étudiantine de son établissement. Il faut que la jeunesse ait des compétences, il faut que la jeunesse ait des savoir-faire pour créer. En créant, la jeunesse se prend en charge et sera capable de prendre en charge les autres à partir de sa formation qu'il a subie, à partir de ses connaissances. Les étudiants sont sortis tout joyeux des enseignements reçus qui viennent de les motiver encore davantage pour s'élancer
dans l'entrepreneuriat. Je dirais aux jeunes que nous sommes l'avenir du pays. Alors comme on peut le dire, l'avenir ne se construit pas demain, mais l'avenir se construit maintenant, puisque nous sommes jeunes. Alors nous devrions prendre conscience de cette lourde charge qui nous attend. Nous devrions prendre conscience du fait que nous devrions prendre de place dans les institutions du pays, puisque le chef de l'État place sa confiance aux jeunes et il s'est dit accompagner le jeune que nous sommes pour atteindre sa vision comme il le place. Un nouveau professeur à l'Université pédagogique nationale UPN, c'est le désormais docteur Madekour Hiller. Intégration de la norme DVB-T2-HD dans la mise en place d'un multiplex numérique, c'est l'intitulé de sa thèse soutenue hier à la faculté des sciences appliquées, génie électronique. Jacques Aboba était sur place. La salle des réfectoires de l'Université pédagogique nationale UPN a servi de cadre à la cérémonie de soutenance des thèses en physique et sciences appliquées du chef des travaux Miboyele Madekour Hiller sur l'intégration de la norme DVB-T2-HD dans la mise en place d'un multiplex numérique R1-DVB-TSD. Pourrait-on faire un état des lieux des médias congolais sur la couverture des TNT en République démocratique du Congo? Cette étude, selon le récipiendaire Madekour, poursuit un intérêt qui est à la fois technique et scientifique, qui consiste à approfondir et à prolonger les connaissances scientifiques dans les domaines des télécommunications et plus spécialement dans la filière de la télévision numérique. Elle constitue, selon les récipiendaires, une des solutions techniques pour une migration réussie de la télévision analogique vers la télévision numérique en République démocratique du Congo. Afin de résoudre les problèmes de la couverture de la TNT dans la capitale et les provinces, à part l'augmentation des émetteurs TNT et la puissance à 300 watts, le gouvernement de la République démocratique du Congo, a-t-il conclu, devait subventionner les médias congolais afin de leur permettre d'assurer une production locale qualitative et quantitative qui devait véhiculer l'image de bonne qualité à travers les pays et le reste du monde. Après débat et délibération à huis clos, le jury a accordé le titre de docteur en sciences appliquées, orientation génie électronique à Madekour Hiller avec la mention grande distinction. S'en est suivi la collation des grades académiques et la remise des insignes de l'UPN à l'heureux lauréat. Il n'y a plus un âge pour soutenir une thèse de doctorat. Quand on veut, on peut. Docteur Madekour, plus de 72 ans, l'a fait. Une autre thèse soutenue hier toujours à la colline fertile UPN, c'est celle du chef des travaux Deka Makanga. Lui s'est intéressé sur la gestion publique de déchets ménagers et développement durable en RDC. David Moubenga. La gestion de déchets ménagers dans un contexte de développement durable, c'est un sujet d'actualité tant sur le plan mondial que pour la ville de Kinshasa qui présente un problème très sérieux d'insalubrité. Pour relever ce défi qui menace l'environnement, la thèse présentée et soutenue par le chef des travaux Deka Makanga Kanyambu à la faculté des sciences économiques et de gestion de l'Université pédagogique nationale UPEN ce mercredi 17 juillet 2024 a le mérite de mettre à la disposition des décideurs politiques et tous ceux qui sont impliqués dans cette gestion des pistes de solutions en cette matière. Vous êtes sans ignorer que la question des déchets publics ici chez nous, surtout à Kinshasa, subit ce que je peux appeler un tâtonnement. Mais ici nous avons montré que bien que gérer les déchets puisse être très coûteux, nous avons voulu montrer que le pouvoir public, avec le consentement des ménages, il pouvait mettre sur pied une taxation afin que les ménages puissent aussi contribuer à cette gestion. Après débats et délibérations, le jury chargé d'examiner cette thèse, présidé par le professeur Kibambe Mutamba, a proclamé le récipiendaire docteur en sciences économiques et de gestion avec la mention grande distinction. De l'argent en l'air, 20 millions de francs congolais, c'est la cagnotte mise en jeu par la structure DNK Challenge pour tout jeune congolais au cours d'une compétition organisée à Kinshasa. Ces jeunes vont devoir exposer leurs talents dans divers domaines de la vie. D'autres précisions avec Béatrice Chacon. Aider et
Accompagner les jeunes Congolais à exceller dans l'entrepreneuriat, c'est le but ultime que poursuit le challenge DRC Ngimbi, démarré ce mercredi 17 juillet jusqu'au vendredi 19 juillet 2024. DRC Ngimbi, acteur de la société civile, vient de lancer ce projet dénommé DNK Challenge, qui, pour permettre aux jeunes entrepreneurs à présenter leurs projets et rivaliser les talents devant le jury composé des professionnels en entrepreneuriat. Ce jury va sélectionner les meilleurs par ce casting. Chaque candidat tient à montrer ses prouesses pour attirer l'attention du jury en décrivant leurs projets. Il remercie le promoteur du projet pour cette opportunité leur offerte. Déjà, merci à M. DRC. C'est une très belle initiative déjà, pour, surtout pour nous, les jeunes. Il vient donner un coup de pouce à nous, les jeunes entrepreneurs, on vient en peine de commencer. Je tenais à remercier le président DRC Ngimbi qui est là, d'avoir eu cette initiative, parce qu'il n'est pas donné à tout le monde d'avoir ces idées que lui, il a actuellement. Mais là, il met une structure qui nous permet de nous exprimer, de présenter ce que nous avons dans l'esprit et en tête. Mon projet, c'est la pisciculture. Créer un étang de poissons en quantité industrielle qui fournirait des poissons à moindre coût aux populations congolaises. DNK Challenge alloue une enveloppe conséquente de 20 millions de francs congolais aux plus méritants. C'est fini pour ce journal de 7 heures. Mesdames et messieurs, ce journal a été...